Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc là je fais une vidéo juste à côté de chez moi, dans un parc plutôt sympathique, c'est un des plus grands parcs de Maurice, je pense, parce que vous voyez qu'il est quand même super super grand. Ce matin, donc il est 6h du mat, le soleil est en train de se lever, et je me suis dit, tiens, apparemment le Bitcoin il commence à se réveiller, je pense que le Bitcoin en a eu plus d'un sur ce mouvement, et ce serait intéressant en fait de faire une vidéo par rapport à ça. Alors, premièrement, on va parler en fait de Xi Jinping, donc le président chinois, je m'excuse si je prononce mal, le président chinois qui apparemment serait la cause de ce qui est en train de se passer. Bon, et bien écoutez, parlons-en. Alors, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que la Chine en a quelque chose à faire du Bitcoin? Je rappelle quand même que le Bitcoin est interdit en Chine. Je rappelle quand même que les plateformes d'échange de crypto-monnaies sont également interdites en Chine. Et pourtant, on nous fait une corrélation entre le Bitcoin qui prend 20% en l'espace d'une journée et la déclaration du président chinois. Donc, j'aimerais comprendre arriver à un moment. Le président chinois, c'est un communiste. Ça, je pense que vous le savez. On pourrait même le traiter en fait de dictateur parce qu'en même temps, quand on fout ses opposants politiques et même n'importe quel opposant, hein, qu'il soit politique ou pas, à son régime, on le fout en tôle ou on le tue. Bon, on peut appeler ça en fait comme on veut, mais on va juste l'appeler un communiste, ok? Alors, un communiste qui s'est proclamé président à vie, qui est extrêmement autoritaire, qui a mis en place le crédit social. Je rappelle ce que c'est que le crédit social. C'est en expérimentation en fait dans les principales villes chinoises. C'est une sorte en fait de système de vidéosurveillance qui permet en fait de traquer tous les citoyens et de leur attribuer une note. En fonction de la note, il est considéré comme bon communiste ou mauvais communiste. Donc si c'est un mauvais communiste, il n'a même pas le droit de quitter la ville. Si c'est un bon communiste, il peut même voyager. Vous voyez, il a même le luxe de pouvoir voyager et de pouvoir aller dépenser et acheter ses petits sacs Louis Vuitton à Paris. Donc ça, c'est quand même super. Et en plus, qu'est-ce que la Chine? La Chine, c'est un pays autoritaire qui contrôle absolument tout, qui censure énormément et en fait une sorte de parallèle entre la Chine, le président chinois et la blockchain. Alors là, je ne comprends pas. Donc la blockchain, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, hein, pardon pour le micro, la blockchain, c'est quoi? C'est à la base, l'essence même de la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est quand même le mot décentralisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale. Il n'y a pas besoin de tiers de confiance, donc pas d'intermédiaire. Donc personne pour, au final, contrôler quoi que ce soit. Premièrement, ça je pense qu'en Chine, ça pose un premier problème. Deuxième problème, c'est un réseau qui n'est pas censurable. Censurable, pas censurable, ça ne marche pas, ça ne colle pas avec la Chine. Avec la Chine, il faut un réseau censurable, qu'on puisse contrôler. Ensuite, c'est un réseau qui est ouvert à tout le monde peut y participer. Ça encore, ça colle pas, ça colle mais pas du tout, parce que quand bien même il crée un réseau, ce sera une blockchain qui sera uniquement accessible en Chine. Et c'est une blockchain ensuite qui est, on va dire, qui permet d'échanger en toute sécurité et surtout qui permet en fait de rétablir une sorte de relation de confiance. Bon, je ne pense pas qu'une blockchain chinoise avec des nœuds qui seront sûrement contrôlés par des entreprises à la botte au final du gouvernement, voire même carrément par le gouvernement, il y ait une quelconque relation de confiance, vous voyez. Donc, blockchain et Chine, pour moi, du moins je parle de blockchain ouverte, c'est deux mots qui ne collent pas, mais alors qui ne collent pas du tout. Mais en plus, quand on rajoute à ça le Bitcoin, là je me dis, mais vraiment, mais les gens sont fous, hein. À quel moment, le gouvernement chinois en a quelque chose à foutre, et excusez-moi du terme, du Bitcoin? Je veux dire, le Bitcoin, ils l'ont interdit pur et simplement, et ils vont certainement pas permettre à leurs citoyens d'en échanger. Parce que pourquoi? Ça donnerait de la liberté. Et c'est absolument pas ce qu'ils veulent donner. Donc à quel moment est-ce que ce qui se passe avec le Bitcoin et l'explosion en fait du Bitcoin a un quelconque rapport avec l'annonce du président chinois? Est-ce qu'on peut me dire à quel moment il y a une corrélation? Il n'y en a absolument aucune. Maintenant, la deuxième chose en fait que j'aimerais qu'on parle, c'est de la manipulation. Aïe aïe aïe, là je pense que là je dis un mot qui pique. Oui, manipulation. Alors je sais, quand le Bitcoin monte, c'est normal, quand le Bitcoin baisse, c'est de la manipulation. Je sais, non. En fait, dans les deux cas, c'est de la manipulation. Est-ce que la manipulation, c'est mauvais? Absolument pas. En fait, la manipulation, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc là, en fait, là, je vous partage aujourd'hui avec vous
une expérience que j'ai eue et aussi pas mal d'expériences par rapport à des lectures de livres, notamment un super livre que je vais recommander pour les traders et les spéculateurs, qui est Mémoire d'un spéculateur. Donc Mémoire d'un spéculateur, c'est un trader des années 1900, donc ça date pas d'aujourd'hui, hein, il y a plus de 100 ans maintenant, des années en fait 1900, qui explique justement sa vie de spéculateur. Donc il est parti en fait de zéro, il s'est retrouvé plusieurs fois multimillionnaire, plusieurs fois à zéro, ruiné plusieurs fois par le marché, pour ensuite finir extrêmement prospère et à manipuler le marché pour, bien évidemment, ses propres besoins. Donc il explique très très bien tout ça. Donc aujourd'hui, c'est exactement encore ce qui se passe avec le Bitcoin. Et ce qui est assez incroyable, en fait, c'est de voir que 100 ans en arrière, l'humain réagit exactement de la même manière à chaque fois. C'est systématiquement pareil. L'être humain, en fait, est tellement prédictible que ces personnes-là qui manipulent le marché, mais ils doivent bien rigoler. Croyez-moi, ils doivent bien rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il dit, en fait, dans ce livre? Donc ce livre, je vais mettre le lien, en fait, dans la description, si ça peut intéresser, je l'espère, beaucoup de personnes. Parce que, je le répète, hein, la partie émotionnelle, gestion des émotions, la partie psychologique, c'est ça qui est le plus complexe aujourd'hui à acquérir. On vous fait tout le temps miroiter que le trading, c'est complexe, alors que pas du tout. On vous fait tout le temps en fait miroiter que des choses complexes. Non, que des choses sont complexes, alors qu'elles ne le sont pas. Mais on ne vous parle jamais de psychologie, alors que c'est ça qui est le plus compliqué, qui est propre à chacun, qui est extrêmement compliqué à gérer, et c'est ça qu'il faut travailler. Mais en général, personne ne le fait, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Voilà. Donc, commencez vraiment à travailler votre psychologie et arrêtez d'être un pigeon sur le marché. Alors, pourquoi j'emploie le mot pigeon, hein? Parce que c'est exactement ce qui est employé en fait dans le livre « Les mémoires d'un spéculateur » où en fait, il appelle, on va dire, les petits boursicoteurs, hein, les mecs qui sont excités dès que le Bitcoin prend de la valeur et les mecs qui sont en train de pleurer dès que le Bitcoin perd de la valeur, ils appellent les pigeons. D'accord, les pigeons, parce qu'en fait, pour lui, ces personnes-là ne vont jamais s'enrichir et ces personnes-là vont juste lui permettre de s'enrichir parce que tout simplement, ils sont prédictibles par rapport à ce qu'ils vont faire, par rapport à la réaction qu'ils vont avoir aux émotions. Donc, les pigeons, c'est, on va dire que c'est allez, plus de 90% du marché aujourd'hui sur les crypto-monnaies, qui est composé en fait de pigeons. Alors aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on a les institutionnels qui commencent à arriver. Et c'est justement assez incroyable de regarder en fait le graphique du CME aujourd'hui qui nous donne une super, même une meilleure limite, une meilleure analyse que le graphique d'un exchange. Par exemple, 7400 dollars, c'est là où le Bitcoin a rebondi. Alors que tout le monde était là avec les Fibonacci à nous dire « Non les gars, ça va être 7002 ». Bon, bref, ça on s'en fout. 7400 $, c'est exactement la moyenne mobile 200 en daily sur le CME. Donc c'est quand même toujours assez ironique de voir que maintenant le graphique du CME a l'air de mieux fonctionner que le graphique des plateformes d'échange. Bon, ça c'est une autre histoire. Maintenant, revenons un petit peu à nos moutons et à nos pigeons. Alors, les pigeons, qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste des débutants. Même pas forcément des débutants, hein, ça peut être des personnes qui se considèrent comme expérimentées, qui sont systématiquement soumis au stress, aux émotions, à la psychologie des marchés et qui se font tout le temps avoir. Voilà, c'est ça en fait ce qu'on appelle un pigeon. Alors, est-ce que c'est grave d'être un pigeon? Pas du tout, si vous arrivez à ouvrir les yeux. Et justement, ce livre vous permet de vachement ouvrir les yeux et c'est pour ça qu'il est super intéressant. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Bitcoin prend 15% en 5 minutes, c'est de la manipulation. Je sais, hein, c'est un mot qu'on n'aime pas dire, hein, mais c'est de la manipulation. C'est un groupe de personnes, ou c'est juste une personne, peut-être même bien, qui a peut-être profité en fait de la news sur le président chinois pour se dire, tiens, si je commence à faire un pump sur le prix du Bitcoin maintenant, avec le contexte par rapport aux news qui est favorable, avec tout le nombre de personnes qui ont dû prendre des shorts avec levier, pourquoi pas, parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux, que le Bitcoin aille plus bas, il s'est dit, le contexte est favorable, je commence à pumper le Bitcoin, les gens sont là tous s'exciter un petit peu, ils regardent la news sur le président chinois, ils font tout de suite une corrélation, alors qu'il n'y a aucune corrélation et aucun parallèle possible, mais ils le font quand même, ils commencent tous à s'exciter, à acheter, etc. Tous les mecs qui se sont mis à shorter parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux que le Bitcoin va tomber à 6000$ ou à 3000$, eh bien ils sont là à se faire liquider. Alors s'ils prennent du levier, et qu'ils n'ont pas assez de collatéral, ils se font liquider, sinon ils se font stopper. Et donc, ils sont obligés en fait de racheter leur position, ce qui amplifie
Laos. Et là, je me rends compte que, au final, ce matin, là, on est samedi matin, le Bitcoin a encore énormément poussé. Et au final, le Bitcoin est quasiment à 10 000 $. Alors, 10 000 $, à l'heure où je tourne la vidéo, on est samedi matin, 6 h, île Maurice. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer demain matin, excusez-moi. Voilà. Donc, au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le livre « Les mémoires d'un spéculateur », il explique très très bien, en fait, dans la partie, dans les derniers chapitres du livre, la manipulation. Et il explique, en fait, que si, imaginons, un initié qui a peut-être 100 000 ou 200 000 actions, qui désire les vendre, mais qu'au final, l'action n'est absolument pas active, il n'y a pratiquement personne qui l'achète, il ne peut pas les vendre, en fait. Il ne peut pas les vendre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va appeler un trader comme, donc c'est, il s'appelle Livermore, donc ce trader très connu chez Wall Street, il l'appelle et il lui dit, écoute, j'ai besoin de vendre 100 000, 200 000 actions à un prix moyen de temps, est-ce que tu peux m'aider? Il accepte ou il refuse, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une activité. Il va créer une activité, donc ça veut dire que lui, il a un certain porte-monnaie de plusieurs millions, et il va commencer à tout acheter. Il va acheter, il va créer une activité. En plus de ça, il va, alors lui, il ne le faisait pas, mais d'autres personnes le faisaient, il va commencer à appeler les médias, à balancer en fait des rumeurs, à donner en fait des ragots ou des conseils en disant « Hey, il y a Livermore qui va acheter tant, je pense que tu devrais acheter, c'est intéressant pour toi. » Vous savez, en fait, toutes ces personnes qui ne font que prendre et jamais donner en retour. Mais c'est exactement ça, en fait. Donc, toutes ces personnes se font systématiquement avoir. Donc, les médias, ils y participent. Hein. Les médias vont y participer, ils vont relayer en fait les news, ils vont relayer même parfois les rumeurs. Le nombre de rumeurs, de fake news qui sont balancées par les médias, et vous croyez quoi? C'est fait exprès. Ou alors, soit c'est fait exprès, soit vraiment les médias sont eux-mêmes manipulés. Donc, à vous de choisir. Donc, on fait un cocktail explosif entre un prix qui va commencer à augmenter, les médias qui vont commencer à en parler, les bruits de couloirs dans les marchés plutôt, qui vont, donc des personnes qui vont commencer à dire « Eh, je pense que tu devrais acheter tant, ça risque de monter. Hein. » Hein, vous connaissez, je pense, ces ragots-là. C'est pareil avec les crypto-monnaies. Toutes les personnes qui vont vous dire « Ah, vous devriez acheter telle crypto-monnaie parce que... pas parce qu'il va se passer tel événement, donc elle va monter, et vous vous faites à chaque fois avoir, à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment fait exprès tout ça, pour créer un contexte qui est intéressant, pour qu'au final, le cours commence à prendre de la valeur. Au final, c'est plus Livermore au final qui achète pour que le cours monte, c'est tous les pigeons. Et tous les pigeons sont là, sont avides de richesse. Alors, il ne voulait pas acheter, hein, par exemple, à 20 $ ou à 30 $, mais quand c'est à 60, là, il se jette dessus. Il se jette dessus, et donc, il se met à tous acheter. Et quand il y a suffisamment de volume, eh bien, il fait quoi? Eh bien, il vend ses 200 000 actions, plus lui, il va récupérer pas mal de bénéfices. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple type de manipulation de marché. Donc, c'est fait comment? C'est fait en créant une activité, en commençant à propulser, en fait, le prix vers le haut. On ajoute à ça les médias, les bruits de couloir, les ragots, les rumeurs et tout ce que vous voulez. Et là, on a un cocktail explosif pour que le prix explose, qu'il arrive à tout vendre tout en haut, et ensuite, boum, le prix retombe. Alors, ce n'est pas forcément exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est un autre cas, à mon sens, de manipulation, mais ça reste au final plus ou moins similaire. Et ce qui est toujours marrant, c'est que ça se produisait dans les années 1900. D'accord ? Ce n'était pas non plus hier, c'était avant-hier, avant-avant-hier, il y a très longtemps. Donc ça, c'est juste pour vous dire que la psychologie humaine, elle n'a pas changé. Donc, déjà d'une, en fait, le premier point, arrêtez. Je sais qu'en tant qu'être humain, on veut toujours avoir une réponse à tout, on veut toujours tout savoir. Arrêtez, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Bitcoin a pris 20%, parce que vous ne le saurez jamais. C'est un groupe, ou c'est même une personne qui le fait, il ne va pas commencer à tweeter en disant « Hey les gars, j'ai fait ça pour ça ». Non, absolument pas. D'accord ? C'est juste un exemple type de manipulation, rien de plus. Donc, n'essayez pas en fait de chercher une corrélation à tout. Je sais que l'être humain a toujours envie de tout savoir, mais concrètement, parfois, il faut juste comprendre que ces événements, vous ne saurez pas ce que c'est. Donc, arrêtez en fait de chercher. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Ça, c'est vraiment un des points sur lesquels, en ce moment, j'accentue le plus au sein de mon groupe privé et au sein des cours que je donne en direct, j'accentue énormément sur la psychologie humaine et je leur en balance plein la gueule. Et moi, je ne mâche pas en fait mes mots. Je leur dis ce qu'il faut dire. Je ne commence pas à prendre des pincettes pour leur dire « Non, mais attendez les gars, il faut faire comme ça. » Non, tu fais comme ça, sinon tu vas perdre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça, en ce moment, et justement, les membres du groupe, si certains regardent la vidéo, ils vont se reconnaître. C'est vraiment sur un truc,
sur lequel je travaille maintenant depuis plusieurs mois, la psychologie, parce que c'est le plus important. Une fois que tu as acquis des connaissances techniques pour apprendre à investir, pour apprendre à trader, la seule chose qui vous manque vraiment, c'est savoir gérer ses émotions et pouvoir en profiter à bon escient. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous avez vu, il y a pas mal de coureurs aujourd'hui. Le seul pelé qui est planté avec une caméra en plein milieu, ben c'est moi. Mais j'en ai absolument rien à foutre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, surtout, n'hésitez pas à vous montrer dans les commentaires. N'hésitez surtout pas également à mettre un petit pouce pour m'encourager, pour continuer à me soutenir. Et moi, je vous dis, sur ce magnifique beau temps, et il fait déjà au moins 23-24 degrés, je pense, je vous dis bon dimanche, je vous dis bonne semaine à tous, je vous dis bon investissement ou bonne spéculation, peu importe ce que vous êtes, et à très très vite. Merci.